l'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Ministère public compte M. C.C. Raphaël Ava, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kegoro Kamara, M. Ibrahim Kamaradi Kalonzo, M. Aboubakar Gakite Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui. Parti civil, M. Ouri Baye Loba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. M. Mohamed Kondé. Président. Venez là-bas, s'il vous plaît. Vous avez le choix. Vous voulez parler dans quelle langue d'abord? Malinké. Malinké. Monsieur l'interprète. Je disais que vous avez le choix entre parler et tendez-vous ou si vous. Je préfère parler la langue malinké. Traduisez pour lui, un interprète est là. C'est-à-dire, il dit ceci, là, notre éloigné du Dieu. Non, dit ceci, là. Il dit ici. Oui, oui. Ah, préfère ça. Quoi. Allez-y alors, asseyez-vous. Monsieur Mohamed Kondé, vous êtes cité devant ce tribunal par monsieur le procureur de la République comme témoin. Avant qu'on vous donne la parole pour, ou avant qu'on vous identifie même, on veut vous rappeler quelques droits du témoin. Oui, il a été procureur de Canassé et il y a une si mes des témoins vous confèrent assez de droits, parmi lesquels vous pouvez demander à ce que vous soyez entendu hors la présence du public. Si vous voulez parler devant tout le monde,
ni don ko ko ni se mara badawa jamani nyakoro kan ko garele ouais ni se kuma la braro ya parce que la Guinée coulé. Bon, je peux parler publiquement parce que c'est un problème. Vous êtes Mohamed Kondé. Vous avez quel âge? Où vous êtes né quand? Il est Mohamed Kondé, Israël. 1982, à Kourousa. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. 1982, à Kourousa. Quelle est votre profession? Je suis militaire. Où vous êtes domicilié? Kilomètre 36. Ça prend pas. On vous entend. D'accord. Il a dit kilomètre 36. Kilomètre 36, oui. Monsieur Kondé, est-ce que vous connaissez ceux qui sont assis dans le box des accusés? Ouais, un cas d'Adis Long. Oui, je connais d'Adis. Un cas Toumba Long, un cas Marcel Long. Je connais Toumba, je connais Marcel. Est-ce que vous connaissez les parties civiles ou les victimes dans cette affaire? Non, maman aussi, non. Non, personne. D'accord. Est-ce que maintenant vous avez des liens? C'est-à-dire d'alliance, de subordination, de parenté avec ceux qui sont les personnes que vous connaissez étant assises dans le box des accusés. Non, Sorombaya tenait le mot thème. Un bel très barala. Baragnon la 30 ans. Oui, avant, il y avait des liens de subordination dans le cadre du travail. Pas de lien de parenté. Non. D'alliance. Non. Alors, on va vous prêter le serment du témoin. Bah, il a quand même. Ouais. Le témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu les choses. Témoin pro. Et quand D'accord. Et le faux témoignage est une infraction prévue et punie par la loi. D'accord, le problème. Alors, vous allez jurer de dire devant ce tribunal, sans haine ni crainte, toute la vérité et rien que la vérité dans cette affaire. Alors, levez votre main droite et dites je le jure. Brancali, Nkameye, Nyo le fola. Devant le peuple, hein? Je jure ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu devant le peuple, ce que je vais dire. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Alors, monsieur Kondé, dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre 2009. Il y a 28 septembre. D'accord. Le 28. Le 28. Le 28. J'étais au salon là-bas, le matin. Parce que tout le monde connaît là. On ne s'entend pas. Le micro. Ça prend pas. Très bien le micro pour lui. Attendez, monsieur Kondé, ils vont régler. Allô? C'est bon? Allez-y. Voilà. Le 28 matin, j'étais au salon là-bas. C'est moi qui est commandant des salons. Le matin. Non, il va me faire. Tu vas au canal, au caillou. Non,
Je suis le commandant du salon. C'est moi qui suis le commandant du salon. Le 28. Le 28. Très salon. J'étais au salon. Tumba dans la Timina. Tumba est venu. A Donat Mansala Birola. Il est rentré dans le bureau du chef. Né sur très salon. Moi j'étais au salon. Sous peu de temps. Non. Amen Adonina. Sous peu de temps. Tumba est sorti. Tumba est sorti. Il m'a trouvé au salon là-bas. Non. Il me dit, Pablo, j'ai dit oui. Il dit, je suis dans mon bureau là-bas. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tout problème, tu me fais signe. Si jamais le président sort derrière moi, c'est quand je viens, je vais t'arrêter. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il est monté. Après, en signe tout là. On était assis maintenant. Parce que tout le monde connaît Dadis, il travaille la nuit. J'étais assis, j'étais un peu fatigué, comme je vais dormir. Un coup, j'ai entendu Dadis sortant, c'est lui là-bas en courant, il a bien traversé au salon. Allons-y, ils vont nous tuer là-bas, nous tous. Il m'avait réveillé. Je regarde à gauche, à droite, je ne vois personne. Je sortais en courant au salon. Pendant que je sors, ça a trouvé, parce qu'il y a des dispositifs qui sont garés devant tir là-bas. N'y a pas le salon dans l'air maintenant. Au moment où je sortais du salon, je l'ai vu directement sur le bâtiment dans le véhicule. Je suis venu, j'ai enlevé la clé. À Bolatan, je fais un Bolatan, il est sorti comme ça, je suis revenu comme ça, on s'est croisé. Est-ce que bah, tu peux oser d'enlever la clé de ma voiture? Tu oses? J'ai dit non, monsieur le président, tu ne vas pas. Ngaye dombona. Ngite abuzele ngaye dombona. Il dit, lui va partir. J'ai dit non, tu ne vas pas. Tu vas rentrer. Les amis qui étaient à côté maintenant, je l'ai appelé. J'ai dit, viens, on va pardonner le président, on va les faire rentrer. C'est comme ça qu'on a pardonné, on a fait rentrer dans son bureau là-bas. Moi, j'étais assis au salon. Pendant la nuit maintenant, il est sorti là-bas encore. Il est venu au salon. Il dit, où est-ce qu'on va? J'ai dit, monsieur le président, je suis là. Il dit, viens ici, viens ici. Viens avec moi ici. On est rentré dans son bureau là-bas. Pourquoi tu m'as bloqué? Quand je te pose la question, tu me réponds. J'ai dit, ah, quand tu me poses la question, je vais te répondre. Pourquoi tu m'as bloqué? Dit, ah, monsieur le président, langage qui était dans votre bouche. Allons, ils vont nous tuer là-bas, nous tous. Où? On va aller, ils vont nous tuer, nous tous. Tu oublies que tu m'envoies, j'ai fait mon formation professionnelle, je connais. Avec ton langage, je ne vais pas te laisser. Escobar ! J'ai dit oui. Escobar ! J'ai dit oui. Est-ce que tu connais, tu m'as sauvé la vie ? J'ai dit pourquoi ? Si je partais, si je partais, ils vont dire que c'est moi qui étais en tête. J'ai dit où ? Où viens-tu ce temple là-bas ? J'ai dit ah bon ? J'ai dit il y a quoi là-bas ? Il y a des corabiers qui sont partis là-bas. Ils sont partis massacrer les gens là-bas, les corabiers. Si c'est parti, ils vont dire que c'est moi qui étais en tête. J'ai dit, ah bon? Ça, j'ai dit ça dans mon cœur. J'ai dit, ah bon? Après, il a pris ma main encore. On est sorti au salon là-bas. C'est lui qui ne respecte pas Escobar. Il va te sasser ici. C'est lui qui est là. C'est lui qui est mon garde. C'est ça que je connais le problème du 27 ans, monsieur le président. C'est ça qui était passé devant moi au salon là-bas. C'est donc, on peut le long. C'est ça que je sais. Pour la première fois, quand M. Moussa Dadis est sorti, il était quelle heure? Ça c'était entre 10h et 11h. Hein? Entre 10h et 11h. Il était avec qui? À Bonna Killing, Bourla. Il est sorti ici en courant. Vous dites que vous avez appelé des gens. C'était qui?
Et c'est chaque matin, il y a deux compagnies. On met un compagnie devant des bâtiments. C'était des éléments là. Deuxième compagnie, ça c'est derrière les bâtiments. Ça c'est chaque jour ça. C'est les éléments là que j'ai appelé. Avec certains gardes, on était au salon là-bas, on l'a fait rentrer encore. Et pour la deuxième fois, quand il vous a appelé, il était quelle heure? C'était la nuit. Auquel sont les héros? Ça, c'est la nuit. Ça veut dire que de 11h jusqu'à la nuit, vous étiez là. Entre au salon. Moi, je ne bouge pas. Moi, j'étais au salon. Est-ce que vous avez constaté que M. Moussa Dadis Camara était sorti ou pas? Koni Kalokoro, si koni président Moussa Dadis Kabora. Président Yalong. Monsieur le président Yalong. La Guinée-Conakry. Mais que le monsieur le président, que vous cherchez que c'est un problème national de la Guinée comme ça là. C'est la Guinée belle en souvient là. C'est toute la Guinée qui nous suit maintenant là. Parce que Adam Badi Bakenya se sont mafié ça. L'être humain, on finira par mourir. Ce que vous voyez, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous-même vous m'avez demandé, vous m'avez dit ici là. Ma Dadisi, salon qu'on a eu, Dadisi Ebola, je n'ai pas vu. Moi, je peux vu Dadisi dans le salon là-bas sortir. Dadisi n'est pas sorti. Devant moi au salon là-bas. S'il est sorti, c'est pas au salon là-bas qu'en tout cas il a passé. Est-ce qu'il y a une autre sortie? Koni Bodi Agberey. Ouais, Bodi Agberey Abolo. Oui, il y a une autre sortie pour lui. Bodi Agberey Meodi. Bon, cette sortie-là. Une fois pas dans la chambre qu'on a. Ou dans le bureau qu'on a dit. Ou dans la chambre qu'on a. Ça, c'est dans sa chambre, c'est pas dans son bureau. Voilà. Une fois que vous rentrez dans sa chambre. Sortie, Kabo petit cours de Kono. Il y a une sortie pour sortir dans une toute petite cour. Même si Savane Bakiri, Salon Kono, moi, je suis un savant. Même Savane de Tissolona. Même si vous êtes un savant, ceux qui sont dans le salon là, ils ne peuvent pas savoir que quelqu'un est sorti par là-bas. Jamais plus grand. Jamais. Salon, quand même, il n'est pas sorti devant moi, quand même. En tout cas, dans le salon, il n'est pas sorti devant nous là-bas. Ce jour, M. Aboubakar Diakité Toumba est venu devant vous. Koni Aboubakar Sidiki Toumba n'a rien à Olo. Pour rentrer dans le bureau ou la chambre, je ne sais pas, de M. Moussa Dadis Camara. Oui, je l'ai vu parce qu'il est rentré. Est-ce que vous avez suivi ce qu'ils se sont dit? Si vous avez entendu. Non, tu sais, un garde-corps, l'a dit. Vous savez, moi, je suis un garde-corps. Moi, je suis au salon. Tout ce qu'ils vont parler dans les bureaux là-bas, je ne serai pas Dieu. Pour connaître ça, ou bien Toumba sort, je les demande, qu'est-ce que tu as parlé avec le président? C'est pas moi, je ne suis pas là-bas pour ça. Moi, je suis là-bas physiquement pour les garder. Mais tous ceux qui vont passer dans les bureaux là-bas, attends que Dadis ne m'appelle pas dans son bureau, moi, je ne vais pas. Attends qu'il ne m'a pas appelé dans sa chambre, moi, je ne vais pas. S'il m'appelle, je viens. S'il ne m'appelle pas, je ne viens pas. Moi, je suis au salon. C'est pourquoi je vous demande si vous avez entendu. Non, non. Avec moi, six foyers, maman. La porte était fermée ou ouverte? D'être tournaïma ou bien d'être la candy? Non, une fois, il va dans le chambre. Oh, oui, une fois qu'il rentre dans les chambres, il ferme ça, c'est généralement. Il ferme les portes. Ils étaient combien de personnes dans la chambre? Avec moi, j'ai la chambre. Quand M. Aboubakar Diakité Toumba est venu? C'est lui, j'ai vu Marcel aussi passer. Presque tous les chefs de service, hein? Tous les chefs de service, presque. Vous pouvez nous citer des noms? Il dit c'est Domadan Naïne. Vous avez cité M. Marcel. Qui Marcel. Ouais, Marcel Timna, Makambo Timna. Makambo. Il y a beaucoup de personnes qui ont passé devant moi. Citez-nous les noms. Kouya et madame. Physiquement pour reconnaître. Ce que j'ai vu physiquement pour reconnaître. Toumba. Makambo. Makambo. Marcel. Marcel.
Bon, bon, pour ne pas accuser, c'est ça. Sinon, c'est plus nombreux que tout ça là. Mais ce donc que j'ai dévisagé et que je retiens, c'est ça. Quand M. Aboubakar Diakité sortait, qu'est-ce qu'il vous a dit quand il est sorti? Tumba Bowati na abo minkera kamune foilien. Tumba Bola Kanaha, vingt demain, comment on appelle Akana le salon thème. Il est venu jusqu'au milieu du salon. Et où est le commandant de salon? Où est le commandant de salon? Je suis là. Il vient ici, je suis venu. Il vient. Si jamais le président sort ici, quand je viens, je vais t'arrêter. C'est ça qu'il m'a dit. Il est sorti, il est parti, c'est lui. Ce jour, vous êtes resté de 11h jusqu'à la nuit. Est-ce que vous avez constaté des mouvements dans le bureau de M. Moussa Dadis Camara? Ko ituraye 11h hansuro ko ni ko kosoro mumando kera monsieur Moussa Dadis la bido ko, c'est-à-dire des rentrées, des sorties, voilà. Généralement bo jini kayele molu ouais, généralement moye gila moye la généralement. Bon, généralement c'est ça. Ça ne manque jamais, les gens rentrent, ils sortent. Je parle de ce jour, le 28 septembre. Oko o le 28 septembre ko ni o kera o le 28 septembre lonkele a kuma la olema. Ni moi très dans moi très bon. Si les gens rentraient ce jour et ils sortaient, moi très dans que moi très bon. Les gens rentraient, ils sortaient, hein? Parce que moi je suis assis là-bas, je vois tout ce qui se passe. Il vient, il me dépasse, il vient comme ça. À tout moment ce jour, de 11h jusqu'à la nuit, il y avait des mouvements. 11h hans sur au mouvement très. Il y avait des mouvements. Il y avait des mouvements. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mohamed Kondé. Président. Bon, moi, je voudrais tout d'abord connaître un peu le sens du commandant de salon. Quoi il y a fait les commandants de salon? Mon inquiétude, je voudrais savoir, est-ce que quand le président se déplace, vous partez avec lui, bien vous restez au salon. Koni président Bake Bola. Koni aïbele wato note le toto des salons. Aïbele Bola Grimi. On sort ensemble. Donc vous faites partie de du groupe qui l'accompagne. Ah, présent quoi. Oui. Est-ce que, selon vous, il a l'habitude de sortir sans vous? Koni a dernier Bola. Ali, Ala, il est matérado. Il est toi. Bon. Est-ce qu'il est sorti une fois en votre absence? Il est. Non. Vous êtes toujours sorti ensemble? Oui. Alors ce jour, 28, commandant Toumba est venu vous voir à quelle heure? Vous êtes passé pour entrer à son bureau? Commandant Toumba Nara, il est où à Tidjouma? Vous dépassez pour entrer au bureau du président Dadis. Il a un président au bureau. C'était entre 7h. 7h, hein? Prenons 7h. Il a mis du temps. Quoi, bah, Mireille? Non, à ma main. Il n'a pas duré dans le bureau là-bas. Et à son retour, il vous a instruit de ne pas laisser le président sortir. A bon, Minkera, Kafouen, Kouikana, tout président est bon. Quand le président va la arrêter. Ouais, si le président sort, si je viens, je vais t'arrêter. Je vais revenir sur une question très importante et très pertinente du président. Est-ce que quand le président reçoit les gens à son bureau, vous, commandant de salon, vous apprenez, vous avez les échos de ce qui se passe dans son bureau? Quand le président va mourir. Nous présentons moi et tous salon kono alab biro bon kono ye alu salon kono mol kay ay di sa ay di se porte autre ngayama ali ba mor fak basi mo me salon kono mala nada mengo. Vous avez la porte là, je ne pense même pas, même si vous tirez là-bas, celui qui est au salon s'il peut entendre. Donc vous n'avez rien entendu des échanges entre le président Dadis et commandant Toumba ce jour? Ko
aika dama fali minke yenkona ili ma ima kosoro fuido ma kosoro bravo ko tant que président manek la biro la nitwa je vous dis tant que le président ne m'appelle pas moi dans son bureau je ne rentre pas. Est-ce qu'on sorti de commandant Toumba il vous a dit ce qui s'est passé l'état dans lequel était le président Dadi ce jour au commandant Toumba boati abo abo minkera ka foyen bi ko min timini ye presentre la nyam may ngoro kuna ka foyen ako ko progrès ah ko pre ka bo menkeni bon kono ko aboni état mi est ce ko Toumba ko foyen na ça voilà dit je comprends français oui il m'a pas dit ça. Il vous a pas dit l'État et... Non. À ma foi, il est défini. Il n'a rien défini. Il vous a pas dit ce qui était au point de leur échange dans le bureau. Non, rien. Je ne peux pas lui demander. Monsieur Mohamed Kondé, confirmez-vous que effectivement le président était sorti avec la clé lui-même et le mettre au contact de la voiture. Vous le confirmez? Konibara au fond, le président Bora la dire Kanibolo Kawa clé du câble. Contacteur, oui. C'est pas moi qui ai retiré la clé. Oui, c'est moi. C'est vous qui l'avez retiré la clé? Il est je confirme, c'est moi qui l'ai retiré, c'est moi qui l'ai fait rentrer. Alors, est-ce que au cours de ce temps, ou après ce temps plutôt, vous vous êtes rassuré étant commandant de salon? De 7 heures jusqu'à la nuit que le président était effectivement là-bas. Ouais, était à son bureau. Wati Kudunguro, Hansuro, Koni, Igilitrama, Kafoko, Sobe, co-président, bon, ma bole. Parce que vous êtes là pour le garder. Pour garder quelqu'un, il faut se rassurer de sa présence effective. Est-ce que de 7 heures à la nuit, le président, vous êtes rassuré qu'il était là, il était à son bureau. Comme il est né à Konogben, il va faire min Konogben, na fuya l'onde ko fo fo moye. Ko depuis son man, est-ce que il était co-président Traoré? Adrey, parce qu'il donna trois fois nyama trena à ce dans la bureau là. Il est dida Congo ndalaka. Il était là-bas après dida to. Parce que j'ai essayé trois fois. Je suis venu. Je tapais la porte, je tournais comme ça, je regardais et je l'ai fait trois fois. Vous avez fait de quelle heure, à quelle heure, à quelle heure, les trois l'heure fois du manu, l'heure du matin, l'heure du matin. Vous ne quand je l'ai fait rentrer, sous peu de temps comme ça, au moins 40 minutes comme ça, moi la fin est contre nous. 40 minutes encore, je suis venu, j'ai retiré, j'ai rouvert la porte. Vers 13h encore, vers 13h encore, je l'ai fait. 15h encore, j'ai fait. 15h aussi. Vous avez, il était effectivement présent à son bureau. À très bien. Oui, j'ai vu Moussa Dadis assis. J'ai vu de mes yeux. Alors, vous avez parlé de cette sortie de l'autre côté. Il y a une sortie, vous avez parlé de cette sortie. Voilà, ça mourut. Ça, c'est dans sa chambre. Dans sa chambre. Vous connaissez très bien l'issue. Quand vous sortez là-bas, ça vous mène où? Derrière la cour. Ça vous mène derrière la cour ou bien il faut passer par la porte principale pour sortir de la cour de Calvaire. Il va boire la cour qu'on fait là-bas. Il faut boire d'abord la cam Alpha. C'est la grande porte. Cette sortie ne mène pas directement à l'extérieur de la cour de Kalfaya. La porte là, elle est encerclée. Il y a une cour qui l'entoure, comme ça là. Comme ça là. Il va boire cour mais qu'on a bouton. Vous devez voir cour bas les qu'on a oublié. Quand vous sortez là-bas, vous vous retrouvez dans la grande cour de la présidence maintenant. Donc il vous faut sortir par la grande
porte. Kouobero, fouye bodabale. Fouye bodabale. Oui. Monsieur Kone, vous étiez dans l'équipe de la garde présidentielle. Vous étiez dans l'enceinte de Khan Al-Fayaya. Est-ce qu'à la veille, de 28, puisque tout ce que nous sommes en train de dire, nous parlons du 28 septembre proprement dit, est-ce qu'à la veille du 28, 26, 27, vous étiez au Khan Al-Fayaya? Comme il y a Khan Konaï, 26 septembre, Magben, parce que fin, fois la tête. A B, 28 septembre là. Car Damina 26, 27, Koni Traing, Wobero. Traing, c'est mon lieu de travail. Le 26, vous n'étiez pas avec le président Labé. Le 26, Koni n'est président Mawa Labé. Ambelewani, Ambelewani. Nous sommes partis ensemble, nous sommes revenus encore. Bien avant le 26, est-ce que vous avez constaté la présence de certains éléments dans la cour au nombre de 400 à 500 personnes? Koni yani 26 yeke koni ka modo ila korosi modo ila na korosi ye fo mo kemenani note mo kemelo luteng mo la korosi parce que j'ai pas 24 sur 24 heures dans le salon. Non, je n'ai pas constaté ça. C'est ça quoi le président a besoin de moi. Moi je suis 24 heures sur 24 heures dans le salon. Le président a toujours besoin de moi. Micro utilisé n'y a pas quelqu'un là. Je vous remercie monsieur le président. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Monsieur Kone, merci d'être venu. Nous allons donc continuer à dérouler notre questionnaire. Et est-ce que ce matin du 28 septembre 2009, le président Dadis vous a administré une paire de gifles? Kone, Soma, 28 septembre, Soma, Kone, président qui touloté. Parce, oui, parce que j'ai enlevé la clé dans la voiture pour dire qu'il ne va pas. Et vous a giflé donc? A Hitoloti. A Kantoloti. Oui. Bien. Le salon était composé environ de combien d'hommes? Comment gélié salon qu'on a? En tout, c'est 32, mais quand il compte Tumba, c'est 33. 32 plus Tumba, 33. Donc environ où le section est 33. C'est une section. Une section. Oui. 33 hommes. Hein? 33. 32 plus Tumba, oui. D'accord. Nous allons toujours insister sur la présence effective du président Dadis durant toute la journée. Est-ce que vous confirmez de 10h jusqu'aux environs de 16h, le président Dadis n'a pas bougé de son bureau? Konibara Sewoma, Kafoko, de 10h ou à 16h, qu'on présentera à la bureau. Jusqu'à 15h, j'ai regardé jusqu'à 15h. J'ai regardé jusqu'à 15h. Il était là-bas. Donc, de 10h jusqu'à 15h, vous êtes ferme là-dessus, à sortir de son bureau. Bien. Et est-ce que vous aviez remarqué la présence du colonel Pivi à la présidence ce matin-là ou durant la journée? Konika nika kolonko kobila Pivi là na soma woro présence là. Foma wiala ko. Avant ce que je l'accusais, colonel Pivi, vous n'avez pas constaté sa présence? Ah, moi la crois quoi. Moi, je n'ai pas constaté ça. D'accord. Et vous dites que à la veille des massacres, vous étiez là. À la présidence, vous n'avez pas bougé. Ko Masiba Mimbekera et stade la wati kulwogo, il est pas bougé présent. Ma bouge moi fanfan. À la veille, je veux dire à la veille. À la veille, yani Masiba te, c'est-à-dire 27 yani 28 te. Koni wobeki soro. Je vous dis c'est mon lieu de travail. Est-ce que vous avez connaissance d'une quelconque réunion dans le bureau du président Dadis? Koni ka ko soro réunion d'oro minkera président Dadis la bureau. Wati be molie duna Dadis kam. Wati be molie duna kam. D'abord ñi wu la gbe ñe folo wu gbe be ku no folo. Et c'est vrai ñi. Mo be ke bureau la ñawma. Quand je vois ils sont 20 minutes 30 minutes. Marali
Parce que Sengar, il y a un comme façon que vous êtes procréé comme ça. Force obligatoire, quand quelqu'un fait avec lui là-bas 20 minutes, 30 minutes, il doit venir taper la porte. Quand je tape la porte, tous ceux qui sont en train de parler, ils vont prendre d'abord le silence. Je regarde, c'est lui-même qui va me dire, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Après, je ferme. Vous savez, chaque fois, il y a les gens là-bas, chaque fois là-bas. Moi aussi, c'est mon boulot. Comme votre boulot maintenant là. Quand les gens sont là-bas, 15, 20, 30 de minutes comme ça, là, je viens, je trouve la porte, je tape. Parfois, ils se sont dit, oui, est-ce qu'il n'y a rien? Maintenant, je me retourne, c'est mon travail. Bien. Les recrues de Kalia, est-ce que vous avez connaissance de leur présence au camp Alpha Yaya? Au Kalia, recrues, le Koni Kakosoro et Nala Kang Alpha Yaya. Leur présence dans l'enceinte du camp. Quand Konoye? À quel moment? Avant les massacres. Yanni Masiba et Ké. Non. Non. Vous n'avez pas vu et vous n'avez pas entendu parler? Imaye mame. Maye mame. Comment yoko mama nka me l'air mena. Ou fene wati ni sese. Nka ye wati me fena. Ou fene do fene wati po sese. Wati ma se fono. Je n'ai pas vu. Oui, maintenant la question vous est posée. Mais le moment. À quel moment j'ai précis? J'ai vu que j'ai entendu ce moment viendra. On va parler de ce moment là. Maintenant à quel moment précis? A quoi ka ye wati ni. Nka ye wati mena. Dadis ka tumba ka dadis bo wati mena. C'est en ce moment où Toumba a tiré sur Dadis. Nkaye moment où il est là. Et puis, quoi de l'onitego? Vous savez, c'est quelque chose qui n'est pas caché. Hein? Sauf bon, mais fait sauf ceux qui ne veulent pas dire la vérité. Alors que la Guinée ka bekaye. Et tous les Guinéens ont vu. Même si tu n'es pas militaire, mais tu as vu les gens là quand même, si tu étais à Conakry ici. Ouais. Parce que moi, je suis très bon. C'est les gens là. Ils étaient chez Gono Sangare. C'est Gono Sangare qui a envoyé les gens là. Donc, il est effectif que les recrues de Kalia sont venues au camp Alpha Yaya. Je vous dis, c'est le jour où ils ont tiré sur Dadis que j'ai vu les gens là. On comprend bien, M. Kondé. Mais vous allez répéter la même chose 10 fois ici. Vous avez compris? Il n'y a pas de problème. Donc, soyez prêts à répondre à beaucoup de questions. Est-ce que je reviens là-dessus? Est-ce que vous êtes ferme que les recrues de Kalia sont effectivement venus dans l'enceinte du camp Alpha Yaya? Le jour où ils ont tiré sur Dadis. J'ai vu ça de mes yeux, on ne me l'a pas dit. Hein. Et ces gens ont été envoyés par Gono Sangare, n'est-ce pas? Gono Sangare le Naraï. Ça, c'est très clair. Merci. Vous avez connu Sankara Kaba? Konika Sankara Kaba, non? Oui, Dadis l'a chauffeur, les trains. Ah, c'était le chauffeur à Dadis. Il nous a été rapporté qu'on l'avait assassiné à la présidence. Je n'ai pas vu au moment où on l'assassinait, je n'ai pas vu quelqu'un qui l'a tué. J'ai vu son corps. En ce moment, moi, j'étais On était à l'hôpital avec le président quand ça a mouru. Vous avez vu son corps où? Non, c'était pas caché. Où? C'était à vie. Mini. Où qu'on aille? Dans la cour. On l'a découpé sur le polygone là-bas. Il était là-bas? Il avait été découpé donc. Aïe, qu'on a arrêté là. Oui, parce qu'il a eu un coffre. Bon, je n'ai même pas osé. Le dos était déchiré. Bon, je n'ai même pas eu. Vous n'avez pas su ça a été fait par qui? Nous sommes là aujourd'hui, Dieu est là. Président Kayan Sissé, même si nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là.
La Guinée-Coulité, il n'y a pas l'aise pour vous que tout le monde va être en l'aise. C'est la vérité que moi j'ai dit. C'est ce que le président m'a dit, c'est la vérité que j'ai dit ici. Ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, les paroles comme ça là, je ne sais pas dans ça, mais ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu là, c'est ce que je suis en train de dire. Monsieur Kondé, vous n'avez pas su ça a été fait par qui? Konima Long Akera John Tibolonien. Non, faut m'aouer à la mort. Non, avant que je n'accuse quelqu'un. D'accord. Toujours à la veille de ces massacres, est-ce que vous avez remarqué la présence des leaders religieux? Yanni Masibate, l'homme intime, Yanni Masibakera, c'est-à-dire 27, Konika, leader politique lié. La guerre leader politique. Leader politique religieux. Les leaders religieux. Les leaders Dinamolo. Dinamolo. Anna Dinamolo, Okera Nasara Dinamolo. Reprenez la question. Koni Yanni 28, c'est-à-dire Kadamina 27, Koni la Guinée Dinamolo Yenwe, Okera Nasara Dinadi, Akera Eslamadina Moïdi. Bon, il y a beaucoup de personnes qui partaient là-bas. Vous ne pouvez pas discerner les gens. Ceux-là, ils sont venus pour ça. Les autres-là sont venus pour ça. Bien. Et puisque vous avez confirmé que la résidence du président Dadis avait une issue de secours, est-ce qu'il arrivait des moments où il pouvait sortir sans que vous ne soyez au courant, étant au salon? Dadis la bonne. Est-ce que vous disiez que la voiture a eu beau? Oui. Plusieurs fois, il est sorti sans que vous le soyez informé. Quoi, Baraboye, signalement, il est ma cousin Mindo. Dadis ma bonne, ne coffre ninte, même sinte, même tumbaye, même quiconque Abanalo, Adanyanakala, Adapoué Escoba. Attends qu'ils ne viennent pas, ils ne bossent pas. Bon, Dadis, en général, il ne sort pas de moi-même. Même si je ne suis pas là-bas, il vient, il regarde, il observe. Même si Toumba là-bas, il va demander où est Escobar? Où est Escobar? Bien. Mais on peut retenir quand même qu'il pouvait utiliser parfois cette porte de secours sans que vous ne soyez au courant. Comme moi, je dis ça, voilà. Quoi, dis c'est Bola Dani ou la 5 et les Makos? Bon, comme la secret dans l'audi, bon. Mansalé, donc, mon frère de ça pour la carte, ça défoulé là, bon. Bon, je ne connais pas, bon. En tout cas, comme c'est un chef, il peut se défouler. En tout cas, moi, je ne peux pas dire quelque chose. Bien. Est-ce que de la bouche du président Dadis, vous avez entendu le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les massacrer? Konika Kuma Nime. Ah, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Konika Kuma Nime. Linka, mais il ne faut pas que Dieu va me pardonner. Si je l'ai entendu moi et que je ne dis pas si que Dieu ne me pardonne pas. D'accord. Et pour vous, qui sont allés au stade? Il est à Boloma. John Tiloara stade. Eh, mais on est stade là. Fonya ta kala mo le kundi. Mais salon est là. Ah, moi. Oh, moi. Ne ma bo salon là. Ceux qui sont partis au stade. Fonya ma kou à moins que je n'accuse les gens. Moi, je suis dans le salon. Moi, je ne sais pas ceux qui sont partis là-bas. D'accord. Vous pouvez nous parler du régiment? Qu'on y dit ce régiment à Kofola. Non, régiment, c'est ça, ben détail là. Non, je ne peux pas détailler tout ça là. Qui était le commandant du régiment? John était commandant du régiment là. Wanga Mansaya t'a l'air maintenant. Au moment où on a pris le pouvoir. Anala Kankono. Bon, Ama Nema, au moins un mois. Prends un mois comme ça. Anka Mansaya t'a menke. Prends un mois que après Dadis m'a désigné. J'ai parti faire mon stage. Mon cours professionnel à Symphonia, j'ai fait 2 mois et quelques là-bas. Après là-bas encore. Je n'ai pas me retourné à la présidence. Je suis contenu directement au Maroc. J'ai fait là-bas 2 mois et quelques civils. Mais pendant qu'ils quittaient, Salle France était à Douzain. Aïdor Ba était commandant des régiments.
Ça, Alphonse était à Douzain. Tout ça là, ils ont arrêté ceci là, derrière moi. Moi, j'étais au Maroc. Je suis venu, je ne peux pas demander qui est commandant des salons, qui est commandant des régiments ou pas. Personne ne m'a parlé, c'est elle qui est commandant des régiments ou bien c'est elle qui est commandant des salons. Mais comme c'est l'affaire de la Guinée, donc on est là pour se dire la vérité. Et c'est pour son nous sommes là pour se dire la vérité. Voilà. Parce que même si le président fait qu'à adresser Moluma, même si le président veut s'adresser aux gens, à Dinkela, il me commissionne. Wa fo Tumba ya kaya rassemblement ke. Va dire à Tumba pour faire venir faire le rassemblement. Tumba ba rassemblement ke ada foye ndi danda foye ngo moye rabogo. Quand Tumba fait le rassemblement, moi je viens lui dire ah les gens sont venus hein. C'est le président même qui va là-bas pour sensibiliser les gens, prendre les discours là-bas. Après c'est fini, on replie. C'est ça que je connais. Je connais pas qui est commandant des régiments, je ne connais pas qui est à 12e quoi et quoi dans ça. Et est-ce que vous-même, vous n'étiez pas membre de ce régiment? Est-ce que Konigi le Fananté régiment Modo l'a dit? Ah, bon, comme je suis commandant de salon. Oui, comme je suis commandant de salon. Ça veut dire forcément que vous connaissez votre commandant. Oui, vous avez dit que Aïka est le commandant, non? Celui qui vous coiffait, en tout cas le régiment. Monsieur le procureur, est-ce bien les faits? Monsieur le procureur, c'est la vérité que vous voulez. C'est pourquoi on vous a fait venir. Ah, il n'a qu'un néodi. Kafoko mène commandant des régiments. Mène à 12 ans. Dimbolo la couranaka. Faut pas que je vais manger bonheur de mes enfants. Je ne connais pas ça. Je pour pas dire que c'est celui-là qui est le commandant. Celui-là qui est son adjoint. Je peux mettre la main sur le Coran, sur la tête de mes enfants? Non. Donc, ce qu'on peut retenir, ça, Alphonse et Aïbar, vous avez dit Aïdorba, hein? Oui. C'était les deux. Pendant qu'ils quittaient. Depuis qu'ils ont quitté, vous n'avez pas su. C'est laissé derrière moi. N'est-ce pas? Voilà. Bien. Après les massacres, est-ce que vous avez constaté la présence des manifestants qui avaient été enlevés au stade pour être envoyés au camp Alpha Yaya Diallo? Et Massiba, qui est stade, pourquoi faire? Konika Kosuraro, manifestant de Mina, la Kawaii de Yé. Ha! Fonya la mode de Yé Maï. À moins que je n'accuse les gens, hein, mais je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Fonya Ouya la mode. À moins que je n'accuse les gens. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez opposé, vous, les éléments de la présidence, aux éléments du colonel Tchebro? Comme on est donné à la présence moyenne, Tchegro la moyenne. Entre les bureaux là. On était dans le bureau. N'a patron, Baba, Fonyem Blago. Mon patron me dit de le suivre. Hein? N'a patron, Baba, Fonyem Blago. Quand mon patron sort, il faut que je le suis. Aka dirigé, Ntrako. Il est parti sensibiliser. Après Kumalaye, sensibilisation. Après, on s'est retourné. Mangi Nkalike, Mune Kenya, Mune Kenya, Mune Kenya. Pour moi, n'y a le garde là. Nous sommes partis. C'est son secrétaire qui me connaît. On était derrière lui. Il a fait les sensibilisations. Moi, j'étais derrière lui. Je n'ai pas demandé ce qui s'est passé là-bas. Je n'ai pas demandé une autre personne. Moi, mon travail, c'est le garde. C'est juste garde-corps, c'est celui-là que j'ai gardé. Vous vous rappelez de quelques termes de cette sensibilisation? Koni sensibilisation kumao, koni kumao et doi kundoya. Bon. Fonye ouya fo. Moi, est-ce que je le mens? D'accord. Est-ce que certains éléments du colonel Tchebro arboraient ou se coiffaient souvent de béret rouge? Koni Tchebro la, moi, kodoi très béret rouge. Tous les peuples connaissent ça. S'il y a un de ton frère qui est militaire, demandez-lui seulement. Ça, ce n'était même pas cassé. Ça, c'était des flagrants d'élite. Ce n'était pas cassé. Il ne faut pas que quelqu'un va venir au barreau ici pour se faire plaire, bien quoi et quoi, mentir devant des peuples. Jamais. Jamais. Même moi, après moi, vous allez faire votre enquête. Est-ce que lui, il est honnête ou bien il n'est pas honnête?
Mais moi, tout le monde me connaît, moi je ne mens pas. Et il portait béret rouge. Il n'y a même pas cassette dans ça. Si quelqu'un vient d'ici, il ne porte pas béret rouge, il ne veut pas vous aider. D'accord. Merci pour le moment, M. Condé. Monsieur Condé. Oui, présent, monsieur. On va rester dans le cadre de ce que vous étiez anciennement, commandant du salon. Oui. Mes questions seront essentiellement sur d'abord la configuration du salon. Vous aviez dit que c'était au total 31 personnes plus monsieur Abakar Diakité dit Toumba. J'ai dit 32. 32 avec Toumba 33. C'est ça que j'ai dit. Il faut regarder la batterie, monsieur le procureur. D'accord. Merci de me rectifier. 33 donc. Alors, je veux savoir, les 32 étaient complètement au salon du capitaine Moussa Dadis Camara. Koni mo bi sabani fila o paye o ibetre salon qu'on a eu. À Betre non. Ils étaient tous dans le salon là-bas. Bien. La veille de ces événements-là, le 26 septembre, tout le salon avait accompagné M. Moussa Dadis Camara à l'abbé, ou bien c'est vous seul qui étiez parti avec lui à l'abbé? 26. Quand le salon est venu à Dadis Camara à l'abbé, vous n'avez qu'à l'abbé. Ouais, au moins on a laissé 10 personnes. Hein? Encore 10 personnes, toi. On a laissé 10 personnes au moins. Le reste, on n'est pas parti avec lui. Vous êtes parti le 26 pour revenir le 27? Aïwara 26, à Kaïko, c'est le 27. Oui, oui. Vous êtes revenu le 27 à quelle heure approximativement? Aïnara, l'heure du mois. Est-ce que c'était le... vers le soir, hein? Ouais. Si je n'ai pas oublié quand même, si j'ai des bonnes mémoires. Vers le soir, 15h, 16h, 18h. Vers le soir, hein, si j'ai des bonnes mémoires quand même, on est rentré vers le soir. Je ne peux pas dire si c'est telle heure, telle heure. En tout cas, c'est vers le soir. Mais il ne faisait pas nuit. Sous Tumaku. Tellement. Tellement, pas tellement. Il ne faisait pas tellement nuit. On peut considérer que c'était entre 19h et 20h. En lycée, au Kela, oui, tout oui, ça là-bas. Okay. Oui, oui. Bien. Quand vous êtes revenu, je suppose que vous, qui êtes commandant du salon, vous êtes obligatoirement avec le président, avec M. Moussa Dadis Camara, n'est-ce pas? Il est minier, commandant du salon, il est un président. Ouais. Oui. Alors, cette nuit-là, quand vous êtes revenu, est-ce que vous aviez remarqué la visite de certaines personnalités du pays en ce moment-là, cette au même nuit? Aïnara Soumino, Kou Soukile. Est-ce que la Guinée m'a dit que c'est Raïmaï? Ce que je vous dis ici, tout de suite là, moi, je manque la présidente dans le bureau là. Les gens ne manquent pas dans le bureau du président. Fait où? De tout. D'accord. Le 28 septembre, vous avez décrit l'atmosphère qui régnait au salon. 28 septembre, salon traînant, Maïbara Wounia Foye en Sissé. Avant vous, il y a eu des personnes qui sont venues déposer ici. Yanni, il est ici à Mouadou, il faut en ou il faut en Koumakanya. Il est acquis au débat que beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités au moment des faits étaient venues pour faire un compte-rendu à M. Moussa Dadis Camara, parmi comment lesquels. Je vais vous donner le nom de l'ancien ministre de la Sécurité, le général Mamadou Ba Toto Camara. Comme Siama Nara contre-indiqué présentement, quoi, a dit moi qu'il est Mamadou Ba Toto Camara, qui a précisé que ce 28 septembre, il est venu deux fois pour faire un compte-rendu à M. Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous l'aviez vu? Quoi, Nara est un signe fila, qu'on a contre-rendu que Dadis. N'était-ce pas fabriqué là?
Moi, je ne fabrique rien. Je ne vous demande pas de fabriquer quelque chose. Moi, ma foyer fait de fabriquer un dé. Bravo, Walter, manquez la présidente à bureau qu'on a. Je vous dis que les gens ne manquent pas dans le bureau du président. J'ai entendu ça. Ma question est de savoir si les deux fois que le général Mamadou Ba Toto Camara est allé faire un compte rendu au monsieur Moussa Dadis Camara, si vous étiez là, parce que c'est vous qui étiez commandant du salon. On passe par vous pour avoir accès au président, soit à son bureau ou à ses appartements privés. Koni Toto Nara signa filaye, parce qu'il est le commandant du salon. Moi, j'ai terminé de m'accasser présentement. Koni Toto Nara signa filaye contre Andy là. Général Toto. Général Toto. Hein. C'est ça que je viens de dire tout ici là. Il y a des gens là-bas qui ne manquent même pas. Est-ce que vous comprenez? Tel que quand il prend Tchèboro. Mais ça, que vous sont là-bas. Je parle pour le moment du général Toto, monsieur. Quoi, il est Toto le clapofoil là. Toto Messani. Ah. Ah, c'est où il y a là, Soukou? Non, je ne peux pas l'accuser. D'accord. Soukou, au fond. Je ne peux pas accuser le mot, quelqu'un qui est. Je ne vous demande pas d'accuser quelqu'un. Voilà, je vous demande, excusez-moi. Excusez-moi. On vous a fait venir, le président vous l'a rappelé, c'est pour dire votre part de vérité. Vraiment. Vous étiez au moment des faits le commandant du salon. Dans notre compréhension à nous, c'est par vous qu'on passait pour avoir accès à M. Moussa Dadis Camara, soit à son bureau ou à ses appartements privés, ce qui nous a été décrit ici. Bah, et donc, en votre qualité de commandant du salon, vous êtes à même de nous dire qui était passé par là le 28 septembre, les jours d'après ou les jours d'avant. On ne vous demande pas d'accuser Paul ou Pierre. Ce n'est pas notre vocation. C'est de nous dire ce que vous avez vu ou entendu. C'est tout. Mais, entre milliards, il est le salon Niemodi, le salon Fanan Carfani, il est là. Fin, il y a un présent, il y a un terminé de l'éma. O kera ala bon kono la di note ala bureau kono la o be fo ti eti militairement. Militairement. Arrêtez-moi. Oui. Militairement, il passe par moi, oui. Mais c'est pas moi qui ai protocole. Hein? C'est pas moi qui ai protocole. Mais je ne suis pas le protocole aussi. C'est le protocole qui annonce. Telle personne est venue. Il y a une question, il y a une évidence. Aucun de nous, en 2009, ne pouvait se tromper de la figure de certaines personnalités du pays. Le général Toto dont je parle était une personnalité publique. Vous pouvez ne pas connaître son nom, mais physiquement, vous le connaissez. Surtout que vous aviez dit que c'était des gens qui étaient fréquents là-bas. Il a dit dans son interrogatoire, qui a été confirmé à la barre de ce tribunal par des témoins qui ont comparu avant vous, qu'il est allé deux fois pour faire un compte rendu au président Moussa Dadis Camara après les massacres. Molié, motisé fila weima. Il dit ça pour la kumatolo, mais bati, il dit ça lona, c'est un dédéo. Général Toto, akumakando, kwa nara ka compte rendu ke signa fila. Modo ifanambara naya, kana kuma ulalo. Ko ala yinikali de yoro wole. C'est ce que je dis. Je vous dis, les gens, ils ne manquent pas là-bas. Monsieur Moussa Tchèboro Camara, qui était ministre d'État au moment des faits, qui est allé aussi là-bas pour rencontrer le président Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous l'aviez vu rentrer, lui, au moins? Tchèboro. Mintre ministre yala ko ofanan nara kana Moussa Dadis yen koni ka ko soro ofanan do avant monsieur le procureur de dire à monsieur le procureur moi le wuldi ce sont des gens président ka ekiliba aliyeye ayma ekiliba aliyeye que le président les appelle que le président ne les appelle pas et ils sont tout le temps là-bas tout le temps le 28 septembre vous l'aviez vu là-bas. Qu'au 28 septembre. Voilà. Tous les jours que vous connaissez, monsieur le procureur, ils sont là-bas. Billahi Talai. Tous les jours, les anciens sont là-bas. Bien.
Monsieur Thibou Camara a décrit une scène ici. Quand le président a envoyé le chercher, il est venu trouver le président dans un état qui n'était pas celui habituellement qu'il avait. Et ça, ça s'est passé dans le couloir du salon. Est-ce que vous aviez suivi cette scène-là? Thibou Camara, vous avez présenté à Kili. Quand vous avez présenté à l'Ahali Mimoudi, vous avez présenté à l'Ahali Mimoudi, vous avez couloir qu'on a été pour nous. Vous avez moi, est-ce que je ne mens? Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, qui était ministre de la Santé au moment des faits, vous l'avez vu le 28 septembre là-bas pour aller rencontrer le président. Abdoulaye Chérif Diaby, vous êtes ministre du ministre d'Andaliko pour la Santé. C'est les gens qui ne manquent pas au salon là-bas. Ça, c'est les gens qui ne manquent pas au salon. Qui ne manquent pas là-bas. Qui ne manquent pas là-bas. Jamais, chaque jour, ils sont là-bas. Chaque jour, ils sont là-bas. Quand j'ai accusé quelqu'un, il ne faut pas que Dieu va me pardonner. Ouais. Il ne manque pas là-bas. Aviez-vous vu ce jour M. Claude Pivi? Connais-tu Claude Pivi en Wolo? Le jour 28. Le 28, oui. Oui. Non. Faut nier à la cour. À moins que je n'accuse. Faut nier à la cour. Non. Faut nier à ton ordi. À moins que je l'accuse. Beugré, tout au moins, vous l'avez vu, non? Hein? Beugré. Salonaï. Salon. Oui. Non, je n'ai pas vu Beugré là-bas. Beugré n'est pas rentré voir le président d'Adi. Beugré m'a donc avoir présent. Si j'ai vu Beugré ces jours-là, il ne faut pas que Dieu va me pardonner. Alors, Maï, même Sawani, Maï. Je n'ai pas vu. D'accord. Quand le président est descendu pour monter dans sa voiture, vous confirmez que c'est vous qui avez enlevé la clé du contacteur? C'est moi qui l'ai enlevé, c'est moi qui l'ai fait rentrer. Je confirme. Quand vous êtes rentré, avant de rentrer, vous avez du mal à le faire comprendre qu'il fallait qu'il se retourne ou bien ça a été facile de le faire retourner à son bureau ou à ses appartements privés? Koni akbeleyere bolo kafo ka kose ka note a sonne ya kuma min kera akinyaye. On kuma la nye, il a compris, mais après tout ça là, en cas de nyolo kili. J'ai parlé, il a compris. Après tout ça là, j'ai appelé mes amis, nous sommes venus, on l'a pris, on l'a fait rentrer dans le bureau. D'accord. Je m'intéresse à l'issue de ce cours de son bureau ou de ses appartements privés. Est-ce que dans l'arrière-cour, généralement, il y avait des véhicules qui garaient là? À quoi? Que le bodiani miyori. Est-ce que le bodiani court quoi faire? Comment il y a des cours là-bas, des battants, le véhicule peut rentrer là-bas. Il y a deux cours comme ça, deux battants, le véhicule peut rentrer. Généralement, les véhicules garent là-bas. Koni mobili dernier garé là. On irait cela. Nous, on n'arrive même pas là-bas. Comment vous avez su qu'il y avait deux battants alors, si vous ne venez pas là? C'est pratique. Ayez-la, les quoi. Faites ayez-la. Bon, c'est quelque chose qu'on voit. Quand vous voyez la porte, la coude de la porte, vous pouvez le savoir. Vous confirmez que M. Moussa Dadis Camara était à son bureau après vos vérifications respectives? Plus de trois fois. Trois fois, je partais là-bas, il était dans son bureau. Écoutez, quand je parle, vous m'écoutez, parce que quand vous parlez, je vous écoute, M. Condé. Je n'ai pas posé ma question d'abord. Vous attendez que je pose la question pour donner une réponse, d'accord? Excuse-moi, Monsieur le procureur. Ma question est de savoir, vous avez dit ici au tribunal que quand vous avez le monsieur Moussa Dadis Camara est rentré à son bureau, par trois fois vous êtes venu toquer à la porte vérifier s'il est physiquement présent dans son bureau, une première fois à 11h ou une deuxième fois des heures après et la dernière fois à 15h.
Donc votre vérification a cessé à 15 heures. Après 15 heures, personne de vous n'a eu accès à M. Moussa Dadis Camara. À Sabana, on a 15 heures. 15 heures, on a quoi fait? Moi aussi, je suis vraiment là. Je suis là. Ni mon bremawa bureau là. Ah, 15 heures, quoi faire? Non, vous. Il est Gerekani. Vous. Après 15 heures, vous n'avez plus vérifié s'il était présent à son bureau. Non, je ne suis pas rentré là-bas après 15 heures. C'est au salon que vous aviez passé la nuit. Ici, le salon de Kono. Mais ici, la nuit. Moi, je dors là-bas. La nuit du 28 septembre. 28 septembre sous. Est-ce que vous aviez vu les membres du gouvernement traverser votre salon pour aller au bureau de M. Moussa Dadis Camara? Oui, que membre du gouvernement y a le salon tel qu'a Dadis la bureau là. A te manqué là? Ça ne manque pas. Je parle de la nuit du 28 septembre. Au 28 septembre. Quand tu es manqué là, je vous dis que ça ne manque pas. C'est ce que je vous dis. Et les autorités militaires, vous les aviez vues aussi le 28 septembre rencontrer M. Moussa Dadis Camara. Elle t'est manqué là. Ça ne manque pas. Monsieur le Président, pour le moment, on en a fini. Merci bien. La défense. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Je voudrais demander à Monsieur Mohamed Kondé qui l'avait nommé à ce poste, au poste de commandant du salon. Quoi, il a une cali, qui est nommé commandant du salon. C'est Toumba et le Président. C'est Toumba et le Président. Auparavant, est-ce que vous étiez liés aux deux? Koni Tunka et Long Koroman, Lombaya trahit très Koroman. Ophila, Tumba ni Preda. Ni Lombaya 30. C'est mes amis, c'est mes grands. D'accord. Donc avant de prendre le pouvoir, vous étiez tous ensemble. Wale Wadi, Yani. Mansaya est à être un homme fait. On était dans le même groupe. En ce moment, vous avez quel grade? Il est très grade du Malawati. What is Yona? Quel moment? Au moment de sa nomination comme commandant du salon. Il est commandant du salon de Watukulu Mindo. J'étais sergent-chef. Au moment de prise de pouvoir. Et c'est ce grade qu'il a maintenu lorsqu'il était commandant du salon. Il tourne grade où le Fernando, commandant du salon. Sous-lieutenant. Sous-lieutenant. Après mon stage. Du Maroc. Oui, avec Symphonia. D'accord. Est-ce que généralement, on vous donnait une liste de personnes à recevoir par jour? Koni moi il m'entraîne à l'aïn vise la quoi il traite à la liste de Naïbolo. Non. Qui était le protocole? J'en dis le protocole là. Ah, monsieur doit être un protocole Traoré. Dadis qui a le protocole là. C'était une femme là. C'est Dadis qui connaît ça, son protocole là. D'accord. Merci, monsieur le président. Président, Monsieur Mohamed Kondé Escobar, bonjour. Bonjour, maître. Je vais vous poser quelques questions de confirmation.
ou d'information. Monsieur Condé. Oui, maître. Vous aviez déclaré ici que le président Moussa Dadis n'a jamais dit que le pouvoir est dans la rue, il faut les mater. Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Oui, bravo, le président Dadis m'a dit que le pouvoir est dans la rue, qu'il est maté, qu'il n'y a pas son homme. Procureur, qu'est-ce hein? Procureur, qu'est-ce que président de ma demande, fait la question. Il m'a demandé si moi je peux rester dans le salon et entendre cette déclaration-là. J'ai dit non. J'ai dit, je n'ai pas entendu la je n'ai pas entendu ça. Vous savez, bien avant vous, le commandant Aboubakar Toumba Diakité, qui se trouve dans le box des accusés, avait soutenu que le président Moussa Dadis a clairement dit et publiquement au salon, le pouvoir est dans la rue, il faut les mater. Ko tumbaka foya ko Moussa Dadis kafo salon kono ko le pouvoir est dans la rue, il faut les mater. Ko pouvoir y nam. Je n'ai pas entendu ça, maître. Très bien. Je continue. Je reviens encore sur ce sur quoi le parquet a insisté. Vous avez déclaré ici, et je vais rappeler si ça vient de vous, vous confirmez ou pas, le président n'a jamais bougé. Par trois reprises, je suis rentré vérifier et j'ai constaté qu'il était présent à son bureau. Le président Mabo, au signal Saba, Mouara Kamafele, qui est très présent au bureau là. Oui, je confirme ça aussi. Très bien. Je reviens encore sur cet autre propos. Le président n'est pas sorti ce jour. J'ai constaté et vérifié cette présence de 10h à 15h. Le président m'a dit que le président a dit que la domination est en 15h. Oui. Oui. Sinon, si Dadi sort, moi, il me dit. Hein. Cependant, la défense du commandant Toumba et la partie civile ont, sur le fondement des dires de Saint-Esprit Charlie Loulou, soutenu ici que le président Moussa Dadis était au Marocana. Qu'en pensez-vous? Charlie Loulou, Koumakanko, Moussa Dadis serait Marocana. Il est au Dioro. Ah. Dites-lui qu'ils ont même transcrit des propos qui ont été vigoureusement lus ici, sueur au front, que le capitaine Moussa Dadis était au Marocana. Aïka Kando, il faut. Ko Weibara Ayiraka, ko Moussa Dadis serait Marocana. Dadis serait Marocana. Ha! Parce que Dadis était bon là, non, ma founing, ça va m'étonner, mais en tout cas, jusqu'à 15h, Dadis n'est pas sorti. Très bien. Très bien. Mon capitaine, vous êtes capitaine, je crois. Capitaine Nidigné. Oui. Entre le commandant Toumba et le président Moussa Dadis, lequel vous aviez connu en premier? Moussa Dadis, capitaine Moussa Dadis, à nous, commandant Toumba, où est-ce que tu as dit? Ah! Toumba, on a Toumba long, on a Dadis long. Je connais Toumba, je connais Dadis. On a dit qu'il est premier position. En tout cas, on a bien long connu. Moi, je ne peux pas dire qui j'ai connu en première position, mais je les connais tous. Alors, est-ce que vous pouvez dire au tribunal, quand est-ce que vous avez fait la connaissance du commandant Aboubakar Toumba Diakité? Ko nirisa voilà tribunal nié ka lombaya do naini Toumba Diakité te nyam e ka lo nyam. Non. Toumba très voilà quand connait. Toumba il partait au camp. On se connaît bon. Se connaît. Comme Dadis aussi bon.
Mais l'ombaya donnant est donnant. Nous sommes des amis. Voilà. Il veut savoir quand est-ce que vous l'avez connu. Je n'ai pas cette date-là en tête, monsieur le président. Hein. Donc, vous voulez dire au tribunal que c'est au camp seulement que vous êtes connu? Quoi dit ça pour le tribunal? On s'est connu dans l'armée. On s'est connu. Au temps civil, non. Vous avez été recruté dans l'armée en quelle année? 2002. Et Toumba, si mes souvenirs sont exacts, a été recruté à la même année. En tout cas, moi, c'est 2002. Moi, j'ai fait ma formation. Vous n'avez pas suivi la formation commune de base ensemble? Moi, j'ai fait ma commune de base à Cancan. Très bien. Mon capitaine, tout à l'heure, vous aviez déclaré ceci. Les recrues de Kalea sont arrivés au camp le 3 décembre 2009. C'est le jour où ils ont tiré sur Dadis que j'ai vu les groupes là sur Gono Sangare. Oui, maintenant, je suis d'accord avec vous, hein. Le 3 décembre, là, nous étions tous à Conakry. On a vu des choses. Vous vous dites que ces recrues venaient du domicile de Gono Sangare. Et le coco, oui, il traite Gono Sangare les bara. Présence Konoye. Dans la présidence. Gono Sangare n'a pas de présence Konoye. C'est Gono Sangare qui les a envoyés à la présidence. Le 3 décembre. Dadis Bonlo maintenant. Le jour où ils ont tiré sur Dadis. Est-ce qu'avant le 3 décembre, ces recrues étaient chez Gono Sangare là-bas? Yanni 3 décembre, Yanni Dadis Bonlo, est-ce qu'il est trahi? Ah, n'a remarqué ma coma. Non, je n'ai pas remarqué ça. Très bien, on continue. Bien. Est-ce que monsieur Condé est d'accord avec moi que les 33 hommes postés au salon relevaient tous du régiment? Konibara son nima. Mo bisaba ani saba miye salon kono wey be régiment liro. Présence. Présence. Au be régiment noké. C'est dans le régiment. Très bien. Mon capitaine, vous êtes venu ici comme témoin pour infirmer ou confirmer certains propos qui ont été dits auparavant par certains accusés. Bien avant vous, le commandant Toumba a déclaré qu'au moins 400 personnes étaient rassemblées à la résidence du colonel Claude Pivi. Vous venez de démentir cette information en soutenant que vous n'aviez pas vu les 400 personnes et vous n'avez pas entendu parler de la présence de ces 400 personnes. Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Commandant Toumba ko fo mo kemenani nyon ko wi betre Claude Pivi polo ko ko ile bara fo ku ma woyen ko ni tunyale wodi eh après question de moyen est-ce que on m'a posé cette question là? Oui, cette question vous a été posée, vous avez répondu ceci comme ceci. Je le dis sous le contrôle du tribunal, je n'ai pas constaté la présence de 400 personnes dans la cour. Comment je n'ai pas inventé, je le dis sous le contrôle du tribunal. Si le tribunal estime que... Voilà, si je peux vous aider. Je vous en prie, monsieur le président. Peut-être c'est parce que vous avez rajouté le nom du commandant Aboubakar Diakité-Di Toumba. Parce que le parquet n'avait pas dit son nom. Le parquet d'accord. Avait autrement posé la question. Je vous en prie, monsieur le président. Voilà. Nous parlons de la même chose. Hein. Allez-y. Voilà. Alors, je vais poser directement ma question pour être simple.
sans référence à qui que ce soit, est-ce qu'il maintient n'avoir jamais vu, n'avoir jamais appris la présence de 400 hommes au camp Alpha Yaya avant les événements du 28 septembre 2009? Pivi était ministre de la présidence, si je n'ai pas trompé. Pivi avait des éléments là-bas, mais pour dire, je vais dire 400 personnes, 500 personnes, 600 personnes, il avait des éléments là-bas quand même. Mais ils n'étaient pas définis 500, 600, 700. Sauf que je vais l'accuser. Moi, il avait des éléments là-bas. Je parle par rapport au nouveau visage. Quand vous dites ce que vous avez l'habitude de voir derrière le colonel Claude Pivi. Alors lui, il a déclaré qu'à la veille des événements du 28 septembre 2009, il a vu curieusement des gens qu'il n'a pas l'habitude de voir, au nombre de 400 qui étaient là. Est-ce que vous confirmez n'avoir jamais vu, n'avoir jamais appris la présence de ces 400 personnes? Minute très pivi koko ou tedi. C'est-à-dire, London Molu, Aima Derimini Yena, Ko 28 Magbendo, Kwa Kamo Kemenani Jere Yenge. Est-ce que il est bara ika kuma ola lo ka fo ku ka weye ido ko ko ka yen ne be maye? Non, mais c'est qui reste clair, Molu très pivi bloyi. Pivi avait des gens. Chaque fois, il faisait l'art martiaux là-bas. Voilà, il faisait les arts martiaux. Ça, personne ne m'a dit ça. Quand je mens sur lui, il ne faut pas qu'il me pardonne. Mais pour dire 600, 200, 300. Je continue. Ça, je continue. Il avait des éléments là-bas quand même. Commandant de salon, maître. Vous l'avez été à partir de quelle année? Et quel commandant de salon? À partir de quel mois? Sanjuma, Karoujuma. Bon, je ne me rappelle pas les dates. Je ne me rappelle pas de la date. Est-ce qu'il peut être d'accord avec moi? Parce que tout à l'heure, il a rappelé une formation qui a duré pratiquement 4 mois après la prise du pouvoir. Oui. Il a formation de Warafo Karuna Nignon. Oui. Et vous avez pris le pouvoir en décembre 2008. Il a Fangata 2008. Alors, quand on fait la comptabilité, il va forcément s'en dire qu'il a certainement été nommé là entre avril et mai 2009. Amba Karunani Ouvaro, Wole Wodi, 2009-2008. Ou alors mars et avril. Note mars, avril. Meng Beni. Ce qui est clair. Anka Manseata. On a pris le pouvoir. Depuis que, pendant que j'ai porté garde sergent chef. Je portais garde sergent chef. On est venu à le régiment là-bas. Nous sommes venus au régiment là-bas. J'étais commandant de salon. Après, j'ai parti faire mon stage, Symphonia et Maroc. Je suis venu encore, j'ai repris même poste. Très bien, c'est bon, je suis content. Donc, vous venez d'éclairer le tribunal et même, en tout cas, la défense du président Moussa Dadis, que vous aviez été aussitôt nommé commandant du salon à la prise du pouvoir et vous aviez occupé cette fonction jusqu'au 3 décembre 2009, n'est-ce pas? Quand il tourne la poste, vous rentrez. Oui, jusqu'à ce jour, ils ont tiré sur le. Très bien, très bien. Alors, j'ai envie de savoir. Il a déclaré ici que le président ne se déplaçait jamais sans lui. Oui, bravo, il y a encore présent. Jamais. Jamais. Depuis qu'on a pris pouvoir. Est-ce qu'il peut confirmer ou infirmer devant ce tribunal que le président ne se déplaçait jamais aussi sans à ses côtés le commandant Aboubakar Toumba Diakité? Quand il dit ça, voilà, tribunal Yakoré, en co-président Fanan Treta, voilà, Yorosi, ni Toumba Fanan Treta. Le président a déplacé la Toumba Tinké. Il se déplaçait sans Toumba. Hein. Pardon? Reprenez la il réponse. Se déplaçait sans Toumba. Et à quelle occasion? Au Kerawati Nouma. Quand même observer, c'est que là, un signal flat comme ça, ou un signal ça pas. Bon.
Des fois, c'est moi-même ce qui appelle que moi, j'ai observé dans tel parti. Deux attendez, ou trois il n'a pas fois. Fini, s'il vous plaît. Interprète, attendez. Oui. Allez-y. J'ai dit, le président peut se déplacer sans que Toumba n'est pas là-bas. Des fois, c'est moi qui appelle Toumba. J'ai dit, on est dans tel endroit, on est dans tel endroit. Il vient trouver là-bas. On est venu une fois ici à Symphonia. Même temps, je ne sais pas encore c'était quel hôtel encore, on est parti là-bas. En tout cas, trois fois comme ça. Hein. Voilà. Donc, il peut dire au tribunal que depuis la prise du pouvoir, c'est peut-être à trois occasions que le président s'est déplacé sans lui. Vous avez dit au tribunal, depuis Aïka Fankasta Watimi, il faut signer Sabagnon Ting, n'a qu'à déplacer. C'est ce que moi j'ai observé. Dans la pratique du palais à l'époque, lorsque le président devrait se déplacer, comment s'exécutait le protocole? Aïla Baraboloma, palais qu'on a présent, Baké Bola, Albaké Sankoro, Bola, à Ketodi. Plan A, plan B, s'il y avait un plan A, il y a des anges qui vont partir, percuter là-bas. C'est les anges là maintenant qui nous appellent. Et si c'est bon, hein, on bouge, on va. Ce que j'ai envie de savoir, vous avez déclaré ici, ou alors je vais poser la question avant de, pour ne pas faire une affirmation, est-ce qu'il est d'accord avec moi que hiérarchiquement, il relevait directement du commandant Aboubakar Toumba Diakité? Bon, koni aya mefa imanika amansa boloma ile la mansa ya yemina ya mori koro wole commandant Toumba Diakité di Toumba aide de camp moi c'est commandant Toumba aide de camp moi c'est commandant de salon Toumba moi, je le sais dans une circonstance c'est le président qui nous commande nous tous mais par obéissance pour vous qui en bas se donne la main de travail parce que aide de camp avec le commandant de salon on doit travailler ensemble. Sinon, moi, c'est le président qui me commande. Hein. Moi, je suis d'accord. On a juste besoin de savoir quelque chose. S'il vous plaît, est-ce que vous releviez de M. Aboubakar Diakité? Est-ce que c'était votre chef direct? C'est ce qu'il veut savoir. Voilà. A fait kawole long. Koniye tumbala liya fama ya akodo, c'est-à-dire tumbala ibe kuna. Non. Non. Pourtant. Moi, c'est le président qui me commande. Pourtant, le commandant Toumba, lors de son passage ici, je le dis sous le contrôle de tout le monde, avait déclaré que c'est lui-même qui vous a nommé et que vous releviez de lui. Toumba, pourquoi est-ce qu'il a nommé et qu'il a le fait encore? C'est ça que j'ai en train de dire. D'une part, je dois l'obéir, il est aide de camp. D'une part, s'il y a de compréhension, je dois l'obéir, il me commande. Mais autrement, le président commande nous tous. Je comprends tout ça. En fait, je pense que on est tous d'accord que le président est au sommet. Moi, ce que j'ai envie de savoir, hiérarchiquement, vous étiez à l'époque sous-lieutenant. Le commandant Toumba est lieutenant, aide de camp. Il a fait des affirmations ici dans lesquelles il déclare que vous releviez de lui. Bon, quoi, président Naïbé Kouna, quoi, Brasson Goma. Mais Watiwo, il est très. Grade mina sous lieutenant d'où est commandant Nedi allez le fananye comme il a fait med candi ko est-ce que ko ite allez le la yamori koro et il a même ajouté ce jour je le dis sous le contrôle du tribunal que lui sa mission se limitait seulement qu'à ceux qui étaient au salon oulon akafo d'abord allez le qui ibilaye allez le qui nommé mais quoi le la yamori be Allah ya morilal be a beye salon ne kono. Allah mansaya deni salon ne kono. Bon. Dans les parties là, yoro yoro. Pour cette partie là, il était ce commandant de salon choisi là. Vous ne pouvez pas choisir le commandant de salon sans qu'il présent avec son aide de camp, ils sont pas parlé, ils sont pas d'accord. Sans que le président et son aide de camp ne soient d'accord sur lui. C'est ça que j'ai dit ici tout de suite là. C'est ce que j'ai dit. D'une part, Toumba me commande. D'une part. Consciencement. D'une part, il ne me commande pas. Très bien. Très bien.
Je suis content. Est-ce que, depuis que vous êtes commandant du salon, jusqu'au jour où vous aviez cessé d'assumer cette fonction, vous aviez constaté que le commandant Toumba a été écarté par le président Moussa Dadis Camara? Koni, depuis qu'il est commandant du salon, han mansaya wo bore bore lo mi koni ka yen ko commandant Toumba ka président bra bo akodo. Bon, je n'ai pas observé ça. Très bien. Je n'ai pas observé ça. Très bien, ma question est satisfaite. Alors, vous savez, à l'époque des faits, Toumba portait le grade de lieutenant. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal pourquoi on l'appelait commandant? Ko watiwo. Alors qu'il ne porte pas le grade de commandant. Jala mintre Toumba kabakanye wole lieutenant. Mais a itra fola mo commandant. Ko di dise wo yan fola tribunal ni. C'est un poste de responsabilité. Si on te pose quelque part, on peut te dire commandant parce que c'est vous qui commandez là-bas. Bon, c'est un poste de responsabilité. Si vous commandez ici, on peut vous même dire si commandant. Même si tu es soldat, on peut te dire commandant. Très bien. Même si vous êtes soldat, on peut vous dire commandant. Très bien, je suis satisfait par sa réponse. C'est une très bonne réponse. Et je vais expliquer pourquoi l'intérêt tout à l'heure à travers certaines questions. Monsieur Condé. Ouais, maître. Qui procédait à la planification des hommes au niveau de la sécurité présidentielle? Aujourd'hui, titre planification qui est la sécurité présidentielle. Sécurité. Salon ou bien où? Salon où? Au salon comme au niveau de la sécurité présidentielle. Salon non, sécurité. Je connais là où j'étais. Hein? Je ne connais pas l'autre côté. Je connais alors, là salon, où je suis. Qui planifiait les hommes au salon? Hein? Qui planifiait les hommes au salon? Les secrétaires vont faire la planification parce que c'est le déroulement. 30 personnes. 10 personnes montent aujourd'hui, 8 heures, ils descendent l'endemain 8 heures, et ainsi de suite. Après, ils remontent maintenant à commandant Toumba. Le secrétaire fait la planification. Qui était ce secrétaire-là? 10 montent aujourd'hui. Lieutenant André. Lieutenant André. Le lendemain, 10 autres montent. Après, il fait le compte-rendu au commandant Toumba. Il était donc le secrétaire du salon. Allez, secrétaire du salon. Oui, lieutenant André était secrétaire. Lieutenant André. Une réponse que je souhaite qu'il soit consigné au primitif. Le lieutenant André était le secrétaire du salon. Oui. Et le nommé Alpha Amadou Baldé. Alpha Amadou Baldé, toi, Nindo. Non, on t'a mis là contre. Où est-ce que Toumba la salon est là? Lui, il était dans le. Toumba Brali. Ouais, lui, il était chez Toumba. Lui n'était pas chez le président. Il n'était pas chez le président, hein. Une réponse intéressante. Donc, il y avait un lieutenant du nom d'André qui était le secrétaire du salon. Salon, oui. Et il y avait Alpha Amadou Baldé qui était le secrétaire de Toumba, n'est-ce pas? André était salon, Baldé était Toumba le secrétaire. Exact. Exact. Très bien, une très bonne réponse. Est-ce qu'il savait le rôle que jouait se nommé Alpha Amadou Baldé en tant que secrétaire de Toumba? Konika long Alpha Amadou Baldé très bara minkela le bara très mindi comme très secrétaire de Toumba. Ah, comme le salon est là, c'est mes éléments qui me concernent. Bon, comme moi je suis au salon et moi c'est les mes éléments qui me concernent. Très bien, je vais le confondre à certains éléments de dossier et provoquer sa réaction tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec moi, vous avez répondu que les 33 hommes, y compris Toumba, relevaient du régiment de la sécurité présidentielle. Kuyo Nibarason, Moussaba Oube, Kala Toumba, quand il y a le régiment présidentiel, il est là. Est-ce qu'il se rappelle, c'est maintenant là que je pose la question, hein, est-ce qu'il se rappelle à l'époque des faits d'un certain Ibrahim Massano, qui était sous-lieutenant à l'époque des faits? Oui, Ika. Ibrahim Assano, l'on sous-lieutenant Netra di Watioro. Non, lui, je ne le connais pas. Lui, je ne le connais pas. Est-ce qu'il se rappelle d'un certain Yassine Baldé qui était sous-lieutenant à l'époque des faits?
Yacine Baldé, Ovaran Stress ou Lieutenant Nili. Non. Moi, c'est les éléments de salon que moi je connais. Moi, c'est les éléments de salon que je connais. Et je vais alors citer un certain nombre d'hommes. Je veux savoir s'il reconnaît parmi ces hommes-là un élément du salon. Salon. Et je veux bien qu'on le fasse au fur et à mesure pour gagner à temps. Mohamed Diakité. Non, je ne me rappelle pas son nom. Lansana Fofana. Lansana Fofana. Non, je ne me rappelle pas son nom. Aboubakar Touré. Aboubakar Touré. Ouais, Touré, oui, oui, oui. Oui. Très bien. Qui m'en soit donné acte que Aboubakar Touré relevait du salon. Mamadou Lamara Nasso. Mamadou Lamara Nasso. Non. Non. Sekouba Mara. Sekouba Mara. Non. Rachid Diallo. Rachid Diallo. Non. Sekou Sylla. Non. Sekou Sylla. Bappa Sanoussi Diallo. Non. Saïdou Sangaré. Non. Mohamed Yansané. Non. Tierno Alseni Baldé. Non. Morlaï Camara. Non. Mauricie Makonde. Non. Morlaï Bangoura. Non. Saliou Diakité. Non. Moussa Keta. Non. Issa Konaté. Non. Alassane Fati. Alassane Fati. Fati. Non. Qui était caporal à l'époque des faits. Sarah Mané. Mané. Sarah Mané. Ouais. Ouais. Très bien. Il m'a fait donner acte que Sarah Mané était du salon à l'époque des faits. Mohamed Lamine Bangoura. Sarah Mané ou Sarah Mané. Sarah Mané. Hein? Sarah Mané. Sarah Mané. Non. Sarah Mané n'était pas du salon. Tala Mané. Tala Mané. Ah. Bon, c'est Sarah qui est là. Hein? Voilà. C'est Sarah qui est là, c'est pas Tala. Non, ça, je ne le connais pas. C'est Sarah qui est là. Hmm? On passe. Mohamed Lamine Bangoura. Non. C'est Michel Condé. Non. Yagbaoro Gilavogi. Non. Alseni Samoura. Non. Yamoussa Camara. Non. Bernard Camara. Non. Mamadi Kaba. Non. Très bien. Très bien. Moi, je ne vais pas, pour l'instant, aller comme le ministère public l'a fait. Je vais aller sur des actes. Est-ce que vous savez la provenance, pour ne pas dire le centre dans lequel a été formé le nommé Aboubakar Touré? Konika Aboubakar Touré a formé le centre Mino. Konika centre Oulon. Non, Aboubakar Touré a formé le centre Mino. Mais Ambeleka pouvoir d'Akelendi. Bon, il faisait partie de notre groupe. Je ne sais pas dans quel centre il a été formé, mais nous avons pris le pouvoir ensemble. On était dans le même groupe. D'accord. Monsieur Condé, maître, vous connaissez Toumba à l'époque des faits. Oui, Toumba l'on voit à Tiworo. What is it? Quelle époque? Je veux parler de 2008 à 2009. 2008-2009. Nous n'avons qu'à Toumba. Hein? Si je connaissais Toumba. Si je connais. Je le connais. Oui. Toumba, il se promenait seul ou bien avec un cortège? À quel nétra Tamanaba ou bien à cortéger ni nétra? Toumba marchait seul. Dans son voiture là. Il marchait seul dans sa voiture. Mmh. Sans garde-corps. Garde-corps très avec. Il peut marcher avec deux, trois comme ça, hein. Il peut marquer avec deux ou trois comme ça. Alors pourquoi vous dites qu'il marchait seul? Mais mon aïe, voilà quoi qu'il est là. Qu'on nous cortège ça. Hein? Il a demandé cortège, non? Vous avez demandé cortège, non? C'est pas ça qu'il a dit. D'accord. Quand il entend cortège, cela veut dire que
2,3, 4, moi, j'ai militaire. Quand j'ai dit Cortez, tout le monde connaît Cortez. Non, moi, je suis militaire. 2, 3, 4, quand vous envoyez dit Cortez, c'est 2 ou 3 véhicules comme ça. Même c'est le véhicule, c'est pas Cortez, ça dit. Vous savez, monsieur Condé. Oui, maître. Moi, je vous crois, hein, parce que vous êtes fidèle à vos propos et je sens une forte dose de sincérité dans ce que vous dites. Voilà, Nila, parce que Ikumakan Mbani. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Moi, je ne m'en parle. Tout parti que j'ai passé, vous pouvez demander, hein, qui est-ce qu'on va. Puisque les éléments du salon relevaient de la présidence et relevaient du régiment, moi, je vais rappeler une réponse donnée par le commandant Aboubakar Toumba Diakité lors de son interrogatoire devant le pool de l'instruction. Ma quoi y a fait que Toumba Diakité l'a déjà dit deux fois ici, c'est un inicali minkiara pour dire de dire sincère, juste minier mon ma inicala, un ma inicado comment m'info. Je vais lui rappeler les propos qu'il a tenus en dehors de sa présence au fora et le collé. De tous ceux qui sont ici présents, excepté ces avocats qui étaient là. Moi aussi traité une fois en l'avocat. Voilà ce qu'il a dit. À quoi qu'on était ? À la question qui lui a été posée. Le CNDD formé, quelle fonction vous a-t-on accordé ? Je vous rappelle la réponse que Toumba a donnée. Ce n'est pas une invention, c'est clairement du dossier. Hein? J'ai été nommé aide de camp. Un camp qui est aide de camp, Nedi. Et commandant de la garde présidentielle. Nedi était commandant de garde présidentielle, Fanandi. Marcel Guilavogui a été mon adjoint. Marcel était un adjoint. Qu'en pensez-vous? Il est Kodi Woro. Ah, c'est pas Toumba qui a dit. Toumba le Kafoka. C'est Toumba qui a dit pas, non. Moi, c'est Mohamed Kondé. L'autre moi, avocat, c'est Mohamed Kondé. Moi, ce que je vais vous dire ici, ce que je connais, c'est ça que je vais vous dire. Mais tout ce que Toumba a dit là, ça, c'est un langage qui est lui. D'accord. Vous avez parlé ici de Alpha Amadou Baldé. Alpha Amadou Baldé, Kofoya. Vous avez été très précis en disant qu'il était le secrétaire de Toumba. Il faut croire qu'il était le secrétaire de Toumba, l'a dit. Exact. Et que vous ne saviez pas ce que lui faisait pour Toumba. Non. Je vais vous rappeler ce que ce dernier aussi a raconté. Après avoir confirmé ce que vous venez de dire ici, c'est-à-dire, il a rappelé la nomination, l'arrestation et la révocation de Sir Alphonse Touré et du colonel Aïdor Ba. Colonel Aïdor ni Sir Alphonse Minaraya, ma mimbe foire, foire yansing, afananka wole fo, kofé, kakuma minfolo, kuyitoloma lola. Il a dit ceci. Je fais partie de la liste des 400 premiers gardes rapprochés du président de la République. Président n'a garde que mais n'a ni follow mi ye ntoye wolero. J'ai été choisi par le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité Toumba. Toumba le narandi qui était le médecin chef de l'école nationale de la gendarmerie de Symphonia. Wolwati wo ale dre gendarmerie mi ye Symphonia. Docteur Wintre, allez très médecin chef d'hier. On lui a posé la question, pourquoi le lieutenant Aboubakar Toumba vous a-t-il choisi parmi cet effectif? Mouna Toumba qui ita djama kuduro. Voici la réponse qu'il a donnée. Djabi l'été. En fait. Non. En fait, c'est bien dit, en fait. Je connaissais l'outil informatique. Il m'a choisi pour la gestion des effectifs composé de 14 compagnies. Nka outil informatique le machine go photo informatique. Nkera wodi 14 compagnies wo la sebebe netre wo kela. Et en même temps pour effectuer les travaux de secrétaire.
ni secrétaire ya kanye ni tout ce veli kela. On lui pose une autre question, en plus du rôle de secrétaire, quel autre rôle assumiez-vous? Bara mintre la mintre secrétaire ya kofé bara djuma trela. Voilà la réponse qu'il donne. Adjabilité. C'était le seul rôle. On lui a posé la question, qui planifiait les hommes? Voici la réponse qu'il a donnée. Ce sont le bataillon, bon, je lis tel que c'est écrit, ce sont le bataillon du régiment et l'officier de garnison du régiment qui planifiaient les hommes pour toutes les tâches. Bataillon du régiment, ni officier de garnison, ou les très barres la fara la moitié. Et il a cité les noms de ces personnes-là, en l'occurrence, Ibrahima Diallo, Yassine Baldé. Ibrahima Diallo, Yassine Baldé. Et il est allé un peu plus loin en confirmant qu'il était non seulement le secrétaire du commandant Abba Katumba, mais aussi le secrétaire du régiment. Quoi, allez les traits, commandant Tumba, la secrétaire dit. Allez les traits, le régiment fera la secrétaire. Qu'en dit-il? Il est Kodioro. Apparemment, il est assez sain. Vous m'avez demandé ici tout de suite là. J'ai dit au salon là-bas, il y a des secrétaires là-bas. Tu as parlé problème de Baldé. J'ai dit Baldé était à secrétariat chez Tumba là-bas. Tout ce qui vous entend de parler comme ça, j'ai dit bien, il était au secrétariat ces choses là-bas, comme on appelle chez Tumba là-bas. Mais au salon là-bas, moi j'ai mon secrétaire là-bas qui planifie des hommes pour moi. Très bien. On va évoluer. Vous êtes appelé ici comme témoin. Vous étiez avec le président de la République toute la journée jusqu'au soir. Il est né en Katsreya, il est président de l'État, Kadamina Soma, en Ourala. Ah, en Dadis Létré. Vous avez confirmé qu'il n'est pas sorti, qu'il n'est allé nulle part. Pourquoi moi, je suis aussi. Est-ce que vous avez vu le président Moussa Dadis ce jour prendre son téléphone ou venir au salon, ordonner à X ou Y d'aller au stade. Konika e wolom président nara kala téléphone ta kana salon kono kamodo ya marifa karsa o kera mo susu die koko wa stade la. Depuis que j'ai dit cela donc, ma téléphone ya bolo tum a téléphoné là, a ma téléphone ngana salon na, ma téléphone na la bureau là, nka trois fois foyer ke odi kama fene. Madadis téléphone, il y a la téléphone là. Quand j'ai fait rentrer Dadis, je n'ai pas vu avec téléphone, ni au salon. Quand je suis venu, les trois fois que je suis venu dans le cadre d'observation, je ne l'ai pas vu en train de téléphoner. Est-ce que vous avez vu le président Moussa Dadis Camara distribuer des armes à X ou Y pour aller commettre des infractions au stade? Est-ce que quand il y a Marfada Talala Moïbolo, il y a Aliwa Masiba qui est au stade là? Ha! Vous avez vu la Koundé? Sauf si je l'accuse. Hein. Est-ce que vous avez vu le président Moussa Dadis ordonner à ce que les autorités compétentes ne donnent pas les soins appropriés aux victimes de ces événements? Est-ce que il y a eu un morceau qui est la combat et minier aller là manzaya koro quoi il kana moi dandan non quoi il kana moi dandan masiba kamo minsoro. Pourquoi vous allez à moi est-ce que je l'accuse? Est-ce qu'il peut parler un tout petit peu du retour, si possible, de Tumba pour une seconde fois, ou bien je vais poser la question autrement. Est-ce qu'en dehors du fait que Tumba est venu le matin, lui donner des instructions de ne pas laisser le président sortir, est-ce qu'il est revenu après voir le président ce jour? Tumba n'a mis qu'à la soma, car il y a un coup son co-président est beau. Est-ce que vous avez fait les canards présents? Oui, si j'ai des bonnes mémoires. Si j'ai une belle mémoire, oui. Est-ce qu'il se rappelle de ce qu'ils se sont dit? Est-ce qu'il te l'a dit? Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de bureau. Non, non, non. Si il rentre dans le bureau, salon, moi je ne demande pas. Quand tu me rentres là-bas, moi je ne demande pas qu'est-ce que vous avez parlé là-bas? Ou bien, à Kamoufine, il n'y a pas de bureau. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il a dit là? Vous savez, Monsieur Kondé, dans ce dossier, le commandant Tumba a deux versions. La première version qu'il a dite sur les ondes de la RFI, c'est qu'il est allé au stade
sur instruction du président Moussa Dadis Camara. Ko dossier nindo foli filale tumbalaya foli doro min fora RFI la quoi le warastad la président na yamori le ko président ne kabila. La seconde version, c'est ce qu'il a développé ici à la barre pour dire de ne pas tenir compte de ce qu'il a dit dans la presse. C'est qu'il est allé à la recherche du président au stade. A filanao foli filanao le fola boreya ko foli wo do wo koko wo labila ko ale wara président ne la nyina e biñini kama stade la. Est-ce que selon vous celui qui a reçu des instructions d'aller au stade peut venir vous dire de ne pas laisser le président sortir? Il est à Boloma, Momin Bara Yamori, Soro, Ordre Soro, Kokawa Stadla. Vous dites ça, Folé, les Yakuikana sont présents. Bon, là-bas, je vais être clair. Langage qui est Dadis a parlé. Souvent, tout bas me dit, quand Dadis sort ici, quand je viens, je vais t'arrêter. Mais on sort. Quand il vient, qu'est-ce qu'il peut me faire? Rien. Langage qui était dans sa bouche. Moi, j'ai fait mon stage professionnel. Je connais mon métier. Hein? Allons-y, ils vont nous tuer là-bas, nous tous. Tu dis ça à un professionnel. Allons-y, ils vont tuer là-bas, nous c'est tous. Ce n'est pas ma question. Vous savez... Non, attendez, j'ai bien. Il a bien. Oui. Mm-hmm. Allons-y, ils vont tuer là-bas, nous tous. C'est dans ce sens-là que moi, j'ai agi. Je l'ai pris, je l'ai fait rentrer. Dadis connaît, moi, je ne mens pas sur lui. Il me connaît. Et je vais te rappeler quelque chose encore. Il ne va jamais me oublier jusqu'à sa mort, moi, Mohamed Kondé. Je sais. Il ne va jamais me oublier jusqu'à sa mort. Parce que vous et il ne va jamais gagner quelqu'un qui était fidèle. Plus que moi, il n'y en a pas. Il sait. Vous l'avez sauvé jusqu'à sa mort, moi, il ne va jamais me oublier. Vous l'avez sauvé la vie, oui. Parce que vous l'avez empêché d'aller s'exposer au danger. Maintenant, la question. C'est vrai que cette version n'a pas été retenue ici à la barre. Je vous ai rappelé les deux versions et je reviendrai sur la seconde version. Le président qui dit à Toumba, va au stade. Est-ce que lui, Toumba, peut venir vous dire, le président m'a dit d'aller au stade, mais ne le laisse pas sortir. Le président Minka, Toumba, il va au stade là. Au présent, a dit ce que n'a la cafouille, à présent bravo, qu'on est ouamé, à Karasonda et Boya, qu'on a dit ce qu'elle a ouya. De ces questions, c'est au je ne peux pas répondre à les questions. Très bien. Alors revenons sur la seconde version. Où il déclare avoir été au stade à la recherche du président de la République. Bon, il y en a un fouille, il y a un fouille, à quand n'était-ce qu'à le Ouara stade la président de Yinikam. Vous avez déclaré ici que très souvent, quand vous sortiez sans Toumba, il vous appelle pour savoir où vous êtes afin de vous rejoindre. C'est moi qui l'appelle, je vous dis. Très bien. Est-ce qu'il est arrivé aussi que lui vous appelle pour savoir où vous êtes? Est-ce qu'il est arrivé aussi que lui vous appelle pour savoir où vous êtes? Oui. Alors ce jour... Est-ce qu'il vous a appelé pour savoir où se trouve le président après vous avoir donné des instructions, n'est-ce pas, de ne pas le laisser partir? Est-ce que vous l'avez appelé à Kili, à Banco à Folénien, qui est son président, est-ce qu'il est appelé à Kili, à votre président, Yoromi? Je n'ai pas compris là. Vous l'avez appelé à Banco à Folénien, qui est son président, est-ce qu'il a quoi c'est qu'il est Kili, qui est un président, Yoromi? Ni président Bolivien, ni président Bolivien. Ah ah, non. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. A quand qu'il y a quoi ça, n'a qu'à Magnénica? A quand instruction nous m'a l'air maintenant aujourd'hui? Co-président Kanabo, président Mabo. A quand qu'il y a après, à quand Magnénica? Co-président Trebobol, mais encore maintenant, encore Douari, avec un soufflé. J'ai fait contre-rendu de ça. Donc, quand il a donné l'ordre là, après il m'avait rappelé. Je l'ai dit, le président voulait sortir. Je l'ai empêché, il m'a même giflé. Très bien. Donc on peut s'accorder que Toumba savait que le président n'est pas sorti. Donc on dit ça, alors voilà, Toumba a long que le président m'a bon.
Ne m'olonde. Ah, moi je connais pas ça, hein. Le tribunal appréciera. Et est-ce qu'il peut me dire au moins le temps qui s'est écoulé entre le départ de Touma et l'appel pour avoir la confirmation ou pas si le président est sorti? Le temps qui a écoulé? Koni disait Walti Diate Fola. Anna Minkera Kafoua, qui connaît son président Imbo. Anna la Kilini Filanao. Ou te malao. A gagné la guerre? Ah, c'était un peu éloigné. Il y a eu beaucoup de temps, oui. Ça paye 1 heure, 2 heures, 3 heures. En 4 heures comme ça. 4 heures environ. Donc on peut convenir que 4 heures après, Touma a reçu la confirmation que le président n'est pas sorti. Oui, on dit l'air nani au coffre, il a foigné le président Mabo. Et ça peut être vers quelle heure comme ça? On dit c'est quelle l'air du ma, what is ma. Ah, fonya ou ya fou. Eh, moi ce que je ne vous. Alors il est venu à quelle heure? En aura l'air du ma. Follow-mandat. Pour la première fois. Pour la première fois, oui. Oui. C'était 7 heures. 7 heures. Donc on peut estimer que c'était dans les environs de 11 heures. On dit ça, follow 11 heures, ouat il est au début. T'as maïni, gars. Ah, Kililif, Lana. Non, c'était vers la journée. Hein. C'est vrai, c'était vers la journée. Hein. C'est pas 11 heures. Après-midi. 11 heures. Après-midi. Midi. Entre midi et 13 heures. Entre midi et 13 heures. Donc entre midi et 13 heures, ouais. Tout m'a été au courant que le président n'est pas sorti. Vous dit midi 13 heures ouati à Tunka l'onko président Mabo. Ah, moi je n'ai pas de réponse de ça. Moi je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien, je vous comprends. Je vais revenir sur le dernier point de mon intervention maintenant. Vous étiez un fin habitué de la présidence à l'époque des faits. Est-ce que il était difficile de vérifier rien qu'à travers, d'abord, je pose la question, pour sortir du palais, il y avait combien de barrages pour sortir du palais? Bon, quoi, il y a un beau palais là. Barrage, il y a une présence là. À la présence? Oui, à la présidence. Oui. Il y avait deux barrages. Hein? Deux barrages. Mmh. Est-ce qu'il était difficile de vérifier à travers ces barrages là pour savoir si le président est sorti ou pas pour celui qui va à la recherche du président? Est-ce que vous avez le barrage là où dit président Barabo ni président Mabo? Ah, en tout cas, comme c'est pas moi qui est Touma. Bon, comme c'est pas moi qui est Touma. C'est à vous je pose la question. Quoi qu'il est de Mayenika? Bon, je ne peux pas répondre. Alors je pose la question autrement. Est-ce qu'il était impossible que le président sorte sans que ceux qui sont au barrage n'en soient informés? Est-ce que le président dit ce bois-là sans qu'il mine le barrage là de Weimalo? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, pour celui qui veut s'assurer de la destination du président de la République, est-ce qu'il est impossible pour lui de se renseigner auprès de ces barrages-là pour savoir si le président est sorti ou pas? Minya fait que l'homme président Wani Romi, est-ce qu'il y a un barrage ou un président de la Maniyama? Moi, je n'ai pas. Je vous comprends. Merci, monsieur le président. Monsieur Kondé. Maître. Juste deux questions. Vous savez quand même, le président vous a dit que vous êtes là en tant que témoin. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu ou perçu autrement. Oui. À cela, j'ajoute le fait que la crédibilité d'un témoignage dépend de la précision qui l'accompagne. Mba l'année fanam sereyaro a fort a lalo ko ha a ke ka lalo bede ko nin kera tenne wole lanna ya daro. Oui. Et à cet effet, quel est l'agent des services spéciaux ou l'officier des services spéciaux que vous avez vu coiffé de béret rouge? Ko service spéciaux molo ko nyemo kele mintre nyemo kele mintre béret rouge commandé d'avoir service spéciaux molo modin kele mintre na di béret na di nyemo yara béret rouge
qui était coiffé, coiffé de bleu. Est-ce que c'est bien traduit? Coiffé ou coiffé, qui portait alors. Interprète. Ok. Quel est l'agent des services spéciaux qui l'a vu coiffé en béret rouge? C'est ça votre question? C'est bien cela, monsieur le président. Parce que la traduction fait défaut. Voilà. Moi, dans quel mintre service spécial, mintre foula ou le bidina kuna béret rouge. C'est des gendarmes là. Ah. C'est le Tiagoura seulement qui ne portait pas. Ah. C'est le Tiagoura seulement qui ne portait pas. C'est Tiagoura seulement qui ne portait pas. Est-ce que vous pouvez me donner un nom? Quoi dire? Une personne que vous avez. Une personne que vous avez formellement identifiée et reconnue. Maître. Maître. Ici. Oui. Dieu merci. La justice là, moi-même, je suis convaincu. Mais celui qui est en train de mentir, quand il voit l'intérêt, il peut connaître. Celui qui est en train de dire la vérité, quand il voit l'intérêt, il va connaître aussi. Moi, je ne mens pas. Hein. Je suis fondateur de CNDD. Eux tous portaient. Envoyez la Bible ici, avec Coran. Vous appelez Tiagoro, il n'a qu'à mettre sur sa main. Si, mais c'est le premier bâtard de ma famille. Non, vous avez déjà. Ah bon? On non. Vous a fait prêter le serment. Le tribunal veut être éclairé. Parce que c'est évasif ce que vous avez dit. Le tribunal veut avoir la précision. Qui était coiffé de béret rouge? Qui? Donnez-nous un nom. Je ne suis pas gendarme, mais eux tous supporters. Donc nous pouvons considérer que vous n'avez vu aucun agent des services spéciaux coiffé de béret rouge. C'est vous qui le dites. Quoi dire ces fois-là, on a quoi les ma services spéciaux modernes qui l'ont yen mis et béret rouge bien d'accord. C'est vous qui dites ça. Comment micro? Le tribunal appréciera. Merci, maître. Monsieur Condé, vous avez dit que dans la journée du 28 septembre 2009, vous avez vu le colonel Moussa Tchebolo Camara au salon. La question que je m'en vais vous poser, pourquoi quand le président vous a demandé avec insistance de donner des noms, vous n'avez pas cité le nom de colonel Moussa Tchebolo Camara en ce moment? Pourquoi? Ko 28 septembre ka Moussa Kegroi salon do koma l'état milliard ba présent ki ma inka ka moi to foanya comme na kuima Kegro to madame ye ah Kegro tout le monde connaît Kegro. Je n'ai pas dit tu sais pour faciliter ka kiti la sonoya bon pour faciliter sur le jugement il faut dire la vérité il basement menier le jugement. Quand tu prends le jugement, il prend du temps. Quand vous prenez le jugement, quand tu vois le jugement prendre du temps, si vous voyez que le jugement est en train de prendre le temps, parce qu'il n'y a pas la vérité. C'est parce qu'on ne dit pas la vérité. Kegro ne portait pas béret rouge. Kegro ne portait pas béret rouge. Tous ces éléments portaient béret rouge. C'est pas ça ma question. J'ai terminé avec ça. Vous l'avez vu au salon le 28 septembre 2009. Il était là-bas. Ça, c'était en répondant à l'une des questions du parquet. Mais pourquoi, quand M. le Président vous a demandé avec insistance de donner le nom, dans les noms fournis, le nom de colonel Moussa Tchebolo Camara n'apparaît nulle part? Comme on a présent qui m'a indiqué, il y a tout le monde qui a colonel Kegro très tard. On m'avait pas dit ça. On m'a pas demandé ça. On vous avait pas demandé quoi? On m'a demandé si général Toto partait là-bas. Si général Toto partait là-bas. J'ai dit ouais. J'ai dit oui. J'ai parlé pour tout le monde. Même pour Tiagoro, j'ai parlé aussi. Mais même pour Tiagoro aussi, je l'ai dit. C'est pour tout le quand monde. Quand monsieur le président vous a demandé, vous n'avez pas parlé de connaissance. Ah, là-bas, ça m'a échappé. Peut-être, voilà. Je vous remercie, monsieur le président.